Salut, c'est Audrey Louise et Clara. Et non, ce serait pas ça. Ma. Salut, c'est Audrey Louise Beauséjour et Clara Martel Laroche du tout nouveau spectacle 7 de Broadway à Hollywood. Et on va jouer à 7 questions pour les 7. Moi aussi. Quelle scène de film musical te vire à l'envers à chaque fois? Oh mon Dieu. Empty chairs and empty tables, Les Misérables. Je suis en larmes. Ben, il y en a beaucoup, là, dans Les Mis. Pas mal toutes Les Mis. Quel personnage de film musical te ressemble le plus? Hey. Oh c'est mon Dieu. Question. Hey mon Dieu, c'est une bonne question, puis. Pff. Je pense qu'il y en a un que t'as joué que je rencontre. Souvent fait dire que. Oh mon Dieu! Ah! C'est vrai que je me suis fait dire que ça me ressemblait quand même. Tu parles de mariage. Ouais. OK, ben on va y aller avec ça, mettons. Quelle est ta chanson préférée d'un film de Disney? Oh, ben là, j'ai comme pas le choix de répondre. Parmi ces gens de la petite sirène. Oui! Part of Your World, je l'ai comme chantée dernièrement. Fait que. Puis là, je l'écoute avec ma fille. J'ai écouté la scène de la chanson. Puis là, elle me dit tout le temps, maman, on met la chanson maman de la petite sirène. Fait que là, on l'écoute ensemble. Puis je trouve ça full cute. Ça, c'est bon. Qu'est-ce qui agace Grégory le plus, à ton avis? Ah! Mon Dieu! Hey, là! Peux-tu me faire chicaner? Quand on se laisse pas emporter dans ce qu'on fait, puis qu'on y va pas à fond, mettons. Tu sais, parce qu'on se fait encourager beaucoup à y aller à fond. C'est une bonne réponse. C'est bon, je pense. Politically correct. Alors, quelle est la comédie musicale la plus drôle? Je vais répondre Avenue Q, mais je pense que c'est parce que j'étais avec des gens aussi qui avaient cet humour-là, puis on a tellement ri dans le théâtre. Je l'ai vu comme ça, Broadway, puis mon Dieu que j'ai trouvé ça drôle. Oui, c'est vraiment drôle. Là. C'est des mopettes, là, pour ceux qui savent. Oui, avec quoi, des sujets comme... Ben grivois. C'est ça. Quel est le film musical avec la meilleure danse? Je suis une fan de claquettes. J'aime. C'est Sutton Foster qui a joué. Anything Goes! Merci. J'adore les chorégraphies d'Anything Goes. Durant un film, quelle chanson es-tu incapable de te retenir de chanter? Ah, ben là, ça en va être encore Les Mis. C'est plate, mais genre, je parle tout. Ben, je chante, là, parce qu'il n'y a pas vraiment de parole. Mais je vais. Chanter tout le film, je peux pas vraiment l'écouter avec des gens parce que je gosse. Starmania ou Notre-Dame de Paris? Je pense que je préfère Starmania. Je suis fan des deux, là, tu sais, c'est tellement dans notre. Oui. Ouais, c'est vrai. Dans notre. Sang, genre, c'est oui, comme c'est vrai. Si tu n'étais pas artiste, t'aurais voulu être quoi? J'ai jamais répondu autre chose à cette question-là que artiste. Ah! Tu sais, à part quand j'avais 3 ans, ma mère, elle a comme toujours une tenue de livre de comme tout mon primaire, puis elle collait ma photo dedans, puis il y avait des questions, puis les questions, c'est toujours qu'est-ce que tu veux faire quand tu vas être plus vieille. Puis je pense qu'à 3 ou 4 ans, j'avais répondu fleuriste parce que ça apportait de la joie dans le cœur des gens. Et je pense que c'est un peu aussi ce qu'on fait avec la musique. Fait que j'étais un peu dans la même lignée, là. Fait que c'est la seule autre chose que je répondrais. Sinon, si tu payes les pages de mon cahier, ça va être chanteuse. Tout le temps! Hey, crème! Fait que, puis même, oh oui! Si tu regardes sur YouTube, il y a une vidéo de quand j'étais petite, que j'étais à l'école des fans, où il y a Charles Lafortune qui me demande « Fait que là, Audrey-Louise, t'aimerais-tu ça être fiscaliste toi aussi? » Parce que ma mère, comptable agréée ou fiscaliste, tu sais, ma mère, c'est ça qu'elle fait dans la vie. Elle me demande si je veux faire ça, puis là, j'ai 5 ans, puis je réponds « Ben, j'aimerais ça être chanteuse quand même! » Ah! Fait que... Pourquoi tu fais fiscaliste plus tard? Et j'aimerais ça être chanteuse. T'aimerais ça être chanteuse? Voilà. Oh, c'est bon! Dans quel film musical aurais-tu aimé jouer? Ah! Oh. Chicago. Ouh! Ben ouh, ouais. Qui? Chicago. Ah! Oh. Jouer qui? Ben, tu sais, bon, je suis fan de Velma, là, c'est sûr, mais mettons, là, tu sais, même juste être une prisonnière qui peut faire Cell Block Tango, là. Ouh! Okay. N'importe laquelle, mais j'aurais tellement aimé ça. Complète la phrase de Mary Poppins, super quali! Oh. Fragilistique, expialidocious. Youhou! Ouais! C'est vrai que ce mot trop long est parfaitement ta phrase. Mais faut le dire et vous serez à la barre des plus précoces.
kicks, mais elle est dans le ciel. Oh, ouh, ça, j'aime ça des questions avec des réponses entre nous. Quel membre de la troupe est le plus sérieux durant les répétitions? Ouais, c'est ça, hein? Tout le monde me pointe comme là. Mais c'est mes sourcils, hein? C'est mes sourcils, on se souvient? C'est mes sourcils parce que je suis souvent comme ça. J'ai souvent les sourcils froncés, fait que j'ai l'air vraiment sérieuse. Voilà. Fait que oui, peut-être moi, sinon Gabrielle aussi. Je la trouve bien sérieuse avec moi. Ouais. Quel est le film musical avec la meilleure musique? Je pense que je vais répondre La Mélodie du Bonheur parce qu'on a été tellement dedans. Non, mais c'est parce que c'est des tunes que tout le monde connaît, c'est des tunes rassembleuses, c'est des tunes qu'on aime tous chanter puis qui nous rappellent toutes nos familles puis Noël, quand même. Dans Grease. Oh! Es-tu prête? Oui. Aimes-tu plus Sandy ou Rizzo? Ah, ben, Rizzo. J'adore Rizzo. J'adore, je suis fan de Rizzo. On vous attend du 15 au 19 novembre à la salle Wilfrid Pelletier. Les billets sont en vente maintenant. N'hésitez pas, on a hâte de vous voir.